Bonjour Monsieur Dupré. Bonjour. Dans quelle situation se trouvent les professionnels que vous représentez aujourd'hui ? C'est un secteur en souffrance aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer. Si on lit sur du 1er mars 2020 et 1er mars 2021, c'est 7 mois de fermeture sur les 12 derniers mois. Donc effectivement, c'est un secteur qui est malade aujourd'hui, qui est sous perfusion. On peut dire ça aujourd'hui parce que les aides sont quand même là, mais le manque de visibilité sur nos réouvertures, sur la réouverture, met une complexité encore supplémentaire aujourd'hui sur la psychologie de nos chefs d'entreprise, la psychologie aussi de nos salariés. Ils sont dans une situation psychologique extrêmement compliquée aussi. Imaginez votre entreprise, votre bébé, vous l'avez pensé, réfléchi, mis en place, économiquement essayé qu'il soit viable, et d'un jour à l'autre, sur le premier confinement, ça a été c'était à 20h l'annonce d'une fermeture à minuit, en 4 heures de temps, on était fermé 2 mois et demi, et là, rebelote depuis le 29 octobre, on vous dit que vous êtes fermé, donc on est aujourd'hui à 4 mois, et on n'a pas du tout de visibilité. Donc effectivement, il y a des gens qui, en plus, c'est un métier où on est fort actif, vous imaginez le métier de la restauration, on est vers le midi, on est vers le soir, généralement 7 jours sur 7, en travaillant le week-end, et aujourd'hui, ben non, on dit que votre établissement reste fermé, et on n'a pas de visibilité sur une éventuelle réouverture. Alors, je peux bien comprendre qu'aujourd'hui, vu l'état sanitaire des choses, on comprend les choses. On veut aussi abonder dans le sens que tout le monde doit se sortir et avoir un effort citoyen pour se sortir tous ensemble de la Covid. Mais on est un secteur d'activité qui paye très cher ce moment de pandémie. Merci beaucoup.